Ambassadrice de la Sarthe via Sarthe Me Up. Notre invitée aujourd'hui intensément sartoise est Marie-Alice Gier. Bonjour. Bonjour. Jeune sartoise. Oui. Puisque vous êtes arrivée en Sarthe il y a... Eh bien, ça va faire 7 ans. 7 ans maintenant. Oui, quand même. Et pour justement porter haut les couleurs de la Sarthe, c'est que vous vous y sentez bien. Alors, mais tout à fait, c'est bien la Sarthe, on s'y sent bien. C'est incroyable, écoutez bien, Marie-Alice Gier vient du sud. D'Avignon. Oui, D'Avignon, du soleil, comme on dit. La cité des papes, quand même. Tout à fait. Un lieu assez, assez exceptionnel. Oui, on peut dire ça. Et en fait, nous, on a créé notre entreprise Avignon, au départ, donc en 2006. Et c'est vrai que économiquement, le sud, c'est assez particulier. C'est très clanique. C'est un état d'esprit aussi auquel il faut s'adapter. Et vous n'aviez pas envie de vous adapter, donc vous êtes dit... Bon, on s'est dit, il y avait pas mal de facteurs qui ont fait qu'on est parti et on a trouvé le Mans. On va y revenir, mais avant, on va parler de vous un petit peu quand même, si vous me le permettez. Vous donc vous êtes né à Avignon. Oui. Vous avez fait vos études jusqu'au bac. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis ensuite, DUG et licence d'histoire de l'art. Oui, sur Lyon. Ouais. Voilà. Avec une option... Muséologie. Muséologie. Ouais, c'est un peu ma particularité, on va dire. Bon, voilà, vous avez une certaine attirance sur tout ce qui est culturel. Mm. Maîtrise d'histoire de l'art en muséologie, donc à Aix-en-Provence ensuite. Et puis un DESS, muséologie et nouveaux médias. Hop, ça y est, on bifurque là. C'est le début. Ça vous a pris tout à coup ou ça a été créé à ce moment-là? Non, mais enfin voilà, la muséologie, moi, c'est quelque chose qui me passionne. Donc c'est vraiment la science de la transmission de la connaissance. Et via cette spécialité, les nouveaux médias apportent des outils qui aident justement à transmettre de manière pédagogique, ludique, différente. Et c'est ça, moi, qui m'a intéressée. Alors, quand on dit nouveaux médias, on est d'accord qu'on parle évidemment d'informatique. C'est très large, en effet. C'est du web, du digital. Tout à fait. Voilà. Et donc là, vous êtes dans un domaine purement culturel, à ce moment-là. Tout à fait. Et au sortir de mes études, donc avec mon associé, avec qui j'ai créé donc l'entreprise, qui est Mickaël Marcel. Mickaël Marcel, tout à fait, est venu président de Le Mans Créapolis. De Le Mans Créapolis, c'est ça. Donc est venu l'envie d'entreprendre, parce que c'est quelque chose qui est en nous, je dirais, l'envie de construire, et c'est parti d'un pourquoi pas, je dirais. Et justement, on a voulu pousser notre réflexion sur les nouveaux médias et on est parti dans une agence de communication web et auquel on a adapté justement cette faculté de transmission de connaissances qui est la base de la communication de toute façon. Alors en 2006, ça veut dire que le web avait commencé à prendre sérieusement son essor. Pas au point d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est de la folie. Hein. Oui, puis ça s'est professionnalisé, ça c'est... Oui, oui, tout à fait. Donc là, il fallait trouver sa place. Oui. Au milieu de ce foisonnement. Parce que... C'est vrai que nous, depuis l'origine, ce qui est le fil rouge, je dirais, de l'agence, c'est vraiment l'innovation. Donc, on a beaucoup fait d'interactivité, alors que ce soit les sites Flash, quand c'était l'époque, on va dire, puisque c'est une technologie maintenant qui n'est plus utilisée. C'est une technologie qui a été dépréciée, notamment par Apple, donc qui fait qu'elle est très peu utilisée aujourd'hui, ce qui est dommage parce qu'elle est très puissante et permet justement une interactivité très poussée. Bon, là, on rentre un peu dans la technique. Mais notamment, on a fait aussi, on a travaillé sur la 3D en temps réel, ce genre de choses. Et donc, l'innovation, c'est vraiment le fil rouge de l'entreprise et qui est encore plus forte aujourd'hui. On va en découvrir des exemples, évidemment, et notamment de réalité augmentée, d'interactivité tactile. Alors, jolie voiture. Ça, c'est pour que ça parle aux manceaux, que vous avez fait ce truc-là. Alors voilà, parce qu'aujourd'hui, notamment, on développe donc des nouvelles activités vraiment axées sur la digitalisation et notamment la réalité augmentée. Et la réalité augmentée, c'est une technologie assez fascinante qui permet de faire apparaître dans l'environnement réel un objet en trois dimensions. Donc là, par exemple, cette salle est vide et à travers une tablette, on fait apparaître une torche. Avec, on a pu voir de l'interactivité, on peut ouvrir, on peut mettre du son, on peut faire un peu ce que l'on veut. Une Porsche dans votre salon, c'est quand même plutôt sympa. Mais c'est pas seulement pour s'amuser. Ça peut aussi. Aussi, mais on applique ça sur des domaines très concrets, d'aide à la vente, d'événementiel, mais aussi culturel. Le but, c'est comment on utilise ces technologies pour qu'elles aident, donc par exemple pour l'aide à la vente. Voire pédagogique, non? Voire pédagogique, parce que ça, c'est plutôt pédagogique. Ça, alors là, c'était justement pour l'UIMS et l'objectif... L'UIMS, c'est-à-dire l'Union des industries métallurgiques sartoises. Et donc, l'objectif...
objectif, c'était lors de Format Sart. Ah oui, excusez-moi. Comment justement créer le lien avec ce public qui est très jeune, donc très friand de nouvelles technologies. Et donc on a fait une table d'orientation en réalité augmentée. Donc vous voyez sur les macarons à travers les iPads, on a une animation. Et donc on a concrétisé les différents secteurs de marché et avec des petits personnages qui permettaient d'avoir des fiches métiers détaillées. Et donc l'avantage, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir initier un échange avec ce public, d'avoir développer des atomes crochus, je dirais, avec ce public qui zappe très vite, qui a besoin de choses un peu fun. Et la technologie est là pour ça, ici, de la transmission de messages. Bon, voilà. Donc c'est une technique de communication, hein, pas seulement d'ailleurs, hein. Ça peut être utile à autre chose encore, non? Oh, ben, ça peut être utile à plein de choses. Bon. Tout ça, ça naît comment? C'est de rencontres avec des gens, c'est de recherche et développement. C'est ouais. Comme je vous disais, l'innovation, elle est vraiment dans les gènes de l'entreprise. Et par exemple, la réalité augmentée, ça fait depuis 2009 qu'on suit ça, qu'on a fait des premières expériences. Et voilà, c'est la R&D, elle est quotidienne chez nous. Et c'est justement notre but, c'est de détecter les technologies qui ont un potentiel. Et de justement travailler là-dessus. Donc la réalité augmentée, ça fait très longtemps qu'on la connaît. Et aujourd'hui, on commence depuis un an à commercialiser des produits parce qu'on est arrivé à un moment de maturité commerciale, c'est-à-dire que la technologie est plus fiable et plus rapide. Elle est utilisable sur des iPads classiques ou d'autres tablettes. Et donc, voilà. On suit pas de marque. Ouais, excusez-moi, je suis désolée. Et donc, voilà, on est à un point de maturité commerciale qui permet de faire des produits qui soient même en termes de budget crédible pour les clients. Voilà. Alors votre installation au Mans, parce qu'on va parler de ça quand même. Et, maintenant, Michael Marsol donc, est président de Le Mans Créapolis. Quand vous êtes arrivé, vous vous êtes installé à Le Mans Créapolis. Exactement. Alors, la question que je suis obligé de vous poser, c'est est-ce que vous êtes venu parce qu'il y avait Le Mans Créapolis? Non. Il faut, en fait, il y a plein de facteurs qui ont fait qu'on est arrivé au Mans, mais Le Mans Créapolis a aidé notre intégration. C'est-à-dire que comme j'ai souvent expliqué, quand on est arrivé au Mans, en une semaine, on a réglé notre problématique de trouver un bureau, de trouver un logement perso. Donc si vous voulez, cette proactivité dans l'accueil a été décisive pour notre installation. Et donc en effet, on a intégré la pépinière, on y est resté 3 ans. Est-ce que le Mans et la Sarthe étaient en concurrence avec d'autres? Notamment, on se posait la question, nous, de Nantes, qui est quand même une métropole importante, qui a aussi du potentiel. Après, nous, on avait une problématique aussi de se rapprocher de Paris. Donc, c'est vrai que Le Mans a été aussi bien placé. Et puis, différents facteurs ont fait qu'on a dit, go, Le Mans, c'est pour nous. Bon. vous semblez regretter de n'avoir pu rester que 3 ans, puisque c'est le maximum qu'on peut faire à Créapolis. Oh non, regretter Créapolis, c'est vrai que c'était très... C'est un endroit quand même où ça foisonne aussi, c'est j'imagine, ça. Non, ce qui est agréable, c'est que le fait d'être dans une pépinière, on n'est pas tout seul, ça permet d'avoir un flux, une émulation qui est très agréable. Donc c'est vrai que ça a été 3 très bonnes années, et puis qui permettent aussi de s'installer à des coûts raisonnables. Par rapport au loyer. Donc voilà, c'était un lieu très agréable. Alors maintenant, vous êtes nos voisins, puisque vous êtes rue Gambetta à côté. Mais surtout, vous n'êtes pas déplacé tout seul, puisque vous êtes déplacé avec une autre agence de communication. Voilà, en fait, on a aménagé dans ces locaux avec Machin Bidule, qui était aussi. Donc, on s'est rencontrés à la pépinière. C'est pas parce que Marie-Aligie a oublié leur nom hein, qu'elle les appelle Machin Bidule, c'est vraiment leur nom. Et donc, on a trouvé ces locaux, on leur a proposé de nous rejoindre. Et donc, on a fait la colocation, on va dire, pendant 2 ans avec eux. Bon. Et est-ce que vous trouvez les marchés dont vous rêviez, j'allais dire, ici au Mans? Alors, disons que dans notre activité d'agence de communication web, tous nos clients étaient locaux. Enfin, je veux dire, Sartois à 90%, on va dire. Donc, oui. Aujourd'hui, on a d'autres ambitions et d'autres marchés qui sont plus nationales. Donc là, après, on sort du département. Mais nous, voilà, l'agence a trouvé ses marchés et a tout à fait fonctionné avec des clients locaux. Donc elle est bien installée là. Car voilà, la piscine dans votre jardin, vous n'avez pas besoin de l'acheter en fait. Hein. Oui, enfin bon, c'est quand même pas mal d'aller faire un petit plongeon dans une vraie. Alors ça, vous êtes en train de faire une démonstration sur une affiche là, j'ai l'impression. Non, c'est une bande tactile, grand format. Parce qu'on travaille aussi sur du tactile pour l'événementiel. Les activités sur lesquelles on travaille. C'est quoi le principe?
C'est des bandes tactiles très grand format. Comme une affiche. Oui, on peut voir ça, mais animée, qui permet justement de déployer. Alors là, il y avait une présentation du CJD, il y avait un jeu aussi, voilà. C'est le centre des jeunes dirigeants. Oui. Alors ça, c'est sympa. Ouais. Les bonbons Haribo, ça vous dit quelque chose? Je cite le nom, là. Hein, voilà. Bravo. Vous avez fait quelque chose pour le musée, non? Eh oui. Alors ça y est, là, vous avez réussi à connecter votre formation et votre métier d'aujourd'hui. C'est ça qui est chouette, je dirais. Pour moi, aujourd'hui, c'est que je reconnecte l'ensemble de mes compétences. Et notamment, on a travaillé pour le musée Haribo, c'est sorti en janvier, à Uzès, dans le sud. Sympa. Et ça, c'était vraiment très sympa. Donc, c'est de la bande tactile ludique avec des jeux 3D. Donc, c'était vraiment un très, très beau projet et vraiment très sympa à réaliser. Oui, ça demande de la créativité. Scénarisation, créativité, en effet. Puis les mécaniques ludiques à trouver qui intéressent. Parce que la particularité de ce musée, c'est que ça part du tout petit, qui va avoir 4 ans, jusqu'aux grands-parents. Donc il y a une latitude de public qui est assez incroyable. Donc il faut arriver à faire des outils qui puissent s'adapter à tout le monde et plaire à tout le monde. C'est combien de personnes qui sont susceptibles de visiter ce musée? Alors là, je vous avoue, je ne dirais pas de bêtises. Je ne voulais pas vous poser de questions pièges. Hein. Vraiment. Allez, question pas piège, justement, oui. Puisque maintenant vous êtes une vraie sartoise. Oui. On peut dire ça? Ah, on peut dire ça. Ah, ouais. On peut dire ça. Bon, vous allez pouvoir nous parler justement de ce que vous appréciez dans cette ville ou dans ce département. Oui. C'est vrai que ce qui est très agréable au jour le jour, c'est le fait d'avoir la nature très proche, de pouvoir venir à pied le matin au bureau, repartir le soir aussi. Je trouve que c'est une ville qui est apaisante et qui est très agréable pour ça à travailler. Et alors, vous êtes l'une des rares personnes que je connaisse qui n'a pas peur de dire que vous appréciez en plus l'urbanisme du Mans, et notamment le nouvel urbanisme. Tout à fait. Moi, par exemple, la place des Jacobins, j'en suis fan. Je trouve que c'est vraiment une réussite qui permet de réunifier cette place, notamment, par exemple, la cité judiciaire n'est pas une partie architecturale que j'apprécie particulièrement. Mais elle est bien contrebalancée avec le complexe. Le nouveau complexe vient donner une cohérence, et c'est très important de voir cette progression architecturale depuis la cathédrale moyenâgeuse jusqu'à cette architecture toute nouvelle, on va dire. Donc je trouve que c'est un espace vraiment très, très intéressant. Bon, puis à côté, mais là, vous êtes moins original, évidemment. Oui. Vous appréciez la cité Plantagenêt. Bien sûr, elle est formidable. Je veux dire, là aussi, une cohérence architecturale incroyable qui ne peut pas tomber sous le charme de cette cité. Donc, et un endroit particulier? Ouais. C'est le square, alors je ne sais pas quel est son nom, qui est juste au-dessus du tunnel. Jacques Dubois. Voilà, merci. Je trouve cet endroit, là encore, je reviens un peu à la notion d'apaisement. Oui, je crois que c'est Jacques Dubois, enfin c'est Dubois en tout cas. D'accord, c'est Dubois. Bon. Que je trouve là aussi très apaisant. Je trouve que c'est un lieu qui est assez magique. Ouais. Ah oui, vous trouvez que c'est apaisant. Ah, mais j'adore ce lieu. Vous n'entendez pas les voitures qui passent alors? Non, ça ne me dérange pas. D'accord. Je le trouve très intéressant aussi. Bon, on a l'impression d'être dans un village. Oui, c'est ça. C'est le calme. Ça fait du bien. Bon. Il y a peut-être quand même... je crois qu'il y a aussi le sablier du jardin de Tessé. Ah ouais. Oui, c'est une œuvre. Ça aussi, c'est reposant du coup. Exactement. Vous voyez, j'ai besoin de beaucoup de calme apparemment. C'est une œuvre aussi que je trouve vraiment belle et imposante, assez colossale. Et ça fait du bien de voir justement de la culture. Et je pense que le Mans aurait vraiment besoin de cultiver cette partie-là pour se différencier et... Voilà, alors c'est un artiste sartois qui a fait cette œuvre, Jean-Bernard Mété en l'occurrence. Et puis alors, je vois Lucien Rumi très bientôt. Vous êtes une fan de Pulsart? Oui, Pulsart, moi, c'est un événement que, encore, j'apprécie particulièrement parce qu'on trouve toujours des pépites, des choses qui vont nous toucher, auxquelles on ne s'attend pas. Et c'est ça que j'apprécie à chaque fois que j'y vais. Je sais que je vais trouver des choses inattendues qui vont me toucher. Donc, alors avant de venir, vous appréciez déjà la peinture d'une manière générale, j'imagine? Oui, alors l'art dans sa globalité. Donc oui, forcément une sensibilité, mais je pense que tout le monde a cette capacité de se projeter dans des œuvres différentes. C'est de l'émotion avant tout, l'art, donc c'est très personnel. Bon, est-ce qu'on parle de choses qui fâchent un peu? Alors, vous avez dit tout le bien que vous pensiez du Mans. D'ailleurs, vous n'avez pas beaucoup parlé du reste de la Sarthe. Vous vous baladez dans le reste de la Sarthe ou pas? Ah oui, on se balade, oui. Mais c'est vrai que le Mans, avant tout, c'est la... Vous êtes ambassadrice de Sarthe Miop, je vous rappelle. Oui. Je pense qu'on va avoir le visuel tout à l'heure. Hein. Ouais.
En dehors de la Sarthe, il y a en dehors du Mans, je veux dire. Oui, bah bien sûr. Par exemple, c'est comme La Flèche, le zoo de La Flèche, qui est là aussi, qui est super. Il y a plein d'autres petits villages, Asnières-sur-Vègre, ce genre de choses. Enfin, voilà. Bon, c'est bien, vous connaissez vos classiques. Quand même, hein. Voilà. Vous avez passé. Oui, donc alors je disais, les choses qui fâchent, il y a peut-être des trucs qui sont quand même moins bien. Bah, disons que moi, une des choses que je reproche un peu, alors là, je me positionne comme consommatrice, hein, donc c'est vrai que l'offre commerciale, je trouve, est assez peu originale, notamment on va prendre pour l'habillement, bon, on retrouve les grandes chaînes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu dommage. Alors voilà, comme je dis, après, c'est en tant que consommatrice, je sais bien les difficultés économiques peuvent rencontrer les commerces. Il y a aussi des créateurs quand même. Même oui, il y a quelques créateurs. En effet, je crois qu'il y a un défilé demain, Place de la République. Oui, il y a des créatrices notamment qui ont été à Créapolis, qui font des choses tout à fait intéressantes. Mais c'est vrai qu'il manque d'un vivier de commerces différents, plus variés, on va dire. Pour terminer, quand même, du coup, on va peut-être repartir sur quelque chose d'un peu plus positif. Dans votre domaine d'activité, on recevait il y a un instant dans l'Actu Vue par quelqu'un qui était effectivement dans le même domaine que vous et qui nous disait tout le bien qu'il pensez de toutes ces initiatives organisées autour des échanges entre gens qui font de l'informatique. Là. Je pense au Jelly, je pense à la ruche numérique, je pense à... Comment ça s'appelle déjà l'association là, le monde digital, non, Objectif digital, voilà, c'est ça. Oui. Ouais, vous êtes pour. Bah oui, forcément, c'est bien les échanges, cette émulation encore... entre professionnels du secteur. Donc, plus il y a d'échanges, plus les choses sont riches. Forcément. Bon, Maria Ligier, vous êtes arrivée il y a 7 ans, c'est ça, ici, oui. En Sarthe, hein. Vous allez y rester combien de temps? Je ne sais pas, mais pour l'instant, je m'y sens bien, donc je n'ai pas l'intention de partir, du moins, ce n'est pas au programme. Bon, c'est une bonne nouvelle pour nous. Voilà. Merci d'être venu nous parler de vous, de votre parcours et de Mioken, donc votre entreprise. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. We'll be right back.